Bonsoir, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit gameplay sur Minecraft. Je sais qu'il y en a beaucoup de ma communauté qui aiment bien les gameplays Minecraft. Et aujourd'hui, pas n'importe quel gameplay, nous allons survivre, essayer de survivre à 11 catastrophe naturelle. Alors bien sûr, après quelques recherches sur internet, enfin beaucoup de recherches sur internet, j'ai pas trouvé de mode gratuit pour les catastrophes naturelles. Du coup, j'ai dû le payer, comme vous pouvez le voir dans le magasin. Vous rendez dans le magasin et j'ai acheté le pack. Attendez, quand je marque catastrophe, quand vous marquez catastrophe naturelle, vous pouvez l'avoir pour 5€. Du coup, je me suis pas pris la tête, je l'ai payé 5€, 4,99€, pour avoir 800 pièces d'or. Et du coup, je l'ai acheté et nous allons survivre à 11. Il en a bien 11. Bon, allez, c'est parti, on va mettre jouer. Alors, le monde, c'est natural. Disaster. C'est parti, en espérant que cette vidéo va vous plaire et vous relaxer. Et on va se mettre en mode aventure et on va se mettre en mode facile. Ah, on peut pas, du coup on va déverrouiller les paramètres. Attends, hop. On va se mettre en facile et créer, c'est parti. Alors n'hésitez pas à mettre dorénavant un petit j'aime si mon gameplay vous plaît. Ou vous pouvez regarder le gameplay et mettre le j'aime après. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis c'est parti, on se retrouve pour la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un monde, un autre monde avec un volcan qu'il y a là-bas, excusez-moi. Là c'est genre une usine de scientifiques. Mais avant que les catastrophes naturelles se produisent, il faut que le sens scientifique me guide en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai préparé la vidéo en avance, parce que j'ai découvert un peu ce mode-là. Et il y a une petite aventure avant de commencer. Alors là, je sais où il va aller, le scientifique. Il faut le suivre. Il faut lui dire les... Enfin, il faut faire ce qu'il dit, en fait. Et après, les catastrophes naturelles vont se déclencher automatiquement. Alors, je sais pas si je vais me mettre en mode créatif ou pas, je sais pas. Mais d'abord, on va essayer de survivre à 11 catastrophes naturelles. Alors là, je sais qu'il faut aller là parce que j'ai fait la vidéo avant. Voilà, nickel. Alors, je joue clavier souris, hein. Je suis plus à l'aise qu'avec la manette. Désolé pour le son du clavier. Alors là, j'étais bloqué avant de préparer la vidéo, avant de faire la vidéo, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, il faut juste casser les blocs pour que l'ascenseur fonctionne. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, il faut retourner voir le scientifique. Bon, là, j'ai de la pierre, mais j'en ai pas besoin. On va pas se fabriquer des armes hein, dans cette vidéo, on va pas se fabriquer des pioches, tout ça. Je sais le faire, mais on va pas le faire. Voilà. Ensuite, bon, c'est en anglais. Hein. Et je vous mettrai également le créateur de cette map dans la description et le mode dans la description si vous souhaitez l'acheter. Alors voilà, c'est bon, là il va parler et normalement tout va se déclencher automatiquement quand je vais sortir. Alors c'est bon, ça s'est déclenché. Alors comme vous pouvez le voir, là, il y a les notes des catastrophes naturelles. Il y a un tsunami, je ne l'ai pas encore vu. Il y a le volcan en éruption. Il y a de l'acide, du blizzard, ça c'est en anglais. Alors, il y a des météores, tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir. Et on va se préparer au pire. Alors ça c'est quoi ça, silex? On va prendre l'ascenseur et on va sortir. Oh, j'aurais dû me faire une pioche quand même. Oh, ça pète, ça pète, ça pète. Regardez déjà le temps. Ça y est, nous sommes dehors. Et là c'est normal qu'il pleure. Hein. Au début de la vidéo il pleuvait pas, mais c'est tout à fait normal. Ah par contre là-bas il y a un squelette. Et par contre je me suis pas fait de pioche.
Je pense qu'on va faire une pioche, on va faire une table de craft. Ah mais je sais pas si... Ah, s'ils peuvent m'attaquer. Oh, je sais pas s'ils vont m'attaquer. S'ils peuvent m'attaquer, putain. Bon, je crois. Si j'ai entendu tirer. Bon, c'est pas grave. Du moins, je me suis pas fait toucher. Alors, on va se faire une petite table de craft. Là-bas, il y a une araignée. Alors, je sais qu'il faut des troncs d'arbres. Ah, attendez, ah, moi je veux pas ça, moi je veux ça. Oh merde, je me fais piquer par l'araignée. Bon, les catastrophes naturelles viennent automatiquement. Alors je sais pas quand est-ce qu'il y en aura, mais ça se fait automatiquement. On va aller un peu plus loin, on va aller vers le biome là-bas. Là. Et du moment qu'il pleut, si je suis dans le bon truc. Au pire, on va pas se faire une pioche parce que il y a trop d'araignées et je suis pas un professionnel de Minecraft. Du coup, on va voir quelle catastrophe naturelle va être en premier. Alors, si c'est trop loin, je couperai. On va aller directement là-bas. J'aimerais bien vous faire une table de craft, tout ça avec une pioche au moins pour me défendre. Mais je sais pas si j'ai le temps là. Parce que je crois que les catastrophes naturelles viennent toutes les... Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. On va essayer de crafter ça. Voilà, bon, main c'est un peu compliqué. Ah oh, putain, bon j'ai pas le temps. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y avait... Voilà, c'est bon, les météorites arrivent. Vous avez vu exploser. Bon alors, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. C'est bon, ça m'a donné. Oh, c'est quoi ça? Oh merde, 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 il me reste 3 coeurs. Alors, par contre, je sais pas comment on fait du pain pour manger. Ah, elle a rien figé, putain. Elle me poursuit. C'est quoi ça là-bas? Regardez. C'est la première fois que je vois ça. Bon, je pense qu'on va se mettre en mode créatif hein, parce que je vais pas survivre 11 11 catastrophes naturelles sans se mettre en créatif. Oh, un fichier là. Au pire, on va tuer des vaches pour voir si elles donnent. Pour voir si elles donnent. Putain, je vais me faire tuer. Ah, y a un creeper. C'est chaud cette survie. Cette survie, c'est vraiment chaud. On va aller voir le volcan. Voir s'il se met en éruption. Au pire, vous savez quoi? On va se mettre en paisible. Comme ça, il n'y aura pas d'ennemis. Un mode de vœux, ok. Hop, paisible. Voilà, c'est bon. Ah, par contre, il n'y a plus de son dans mes oreilles, si c'est bon. Regardez, regardez, regardez. Ça y est, les météorites sont là. Les tornades. Bon, pour l'instant, je survis. Mais il me faudrait à manger parce que là, j'ai plus de... Voilà, c'est bon. Ah, voilà, c'est normal qu'il fasse noir. Hein, parce qu'en fait, voilà, c'est bon. C'est revenu. C'est normal. Hein, c'est pas mon PC. Ne vous inquiétez pas. Là, il y a l'acide. Bon, je sais pas si je prends des dégâts. Mais en tout cas, ça m'a pas l'air. De me mettre des dégâts. On va, comment dire, tuer une vache, voir si elle a quelque chose à manger. Des chevaux aussi, on va tuer. Parce que là, j'ai besoin de manger, là. Bon, ok, ça m'a donné quoi? Ok. Alors, de la viande, on va le mettre à la place de la fleur. À la fleur, on va l'acheter. Comment on mange? Attends, comment on mange? Désolé, comme je suis pas sur ma lettre, je connais pas les touches pour manger. Ah voilà, c'est bon. Fallait rester appuyé sur la souris. Je sais pas si ça me donne à manger. Ah mais je crois que c'est pour l'endurance. On va essayer de tuer un cheval. Viens là, toi, viens là. Bon, il court trop vite. Regardez-moi ça, on va aller voir le volcan. Mais je crois que c'est le volcan qui s'est mis en éruption tout à l'heure.
C'est pour ça que voilà, c'est bon, les météorites sont là. Normalement, il y a des éclairs. Mais là, on les voit pas pour l'instant. Les météorites sont là. Alors, comme je vous ai dit, hein, je découvre en ce mode. Hein. Je sais pas si je prends des dégâts de. Oh, c'est quoi ça? Ah, tremblement de terre, c'est pour ça que ça tremble. Tremblement de terre. Oh, mais là, ça se barre en cacahuète. Ah, oh, j'ai payé ce mode hein, 5 euros. J'ai payé ce mode 5 euros, du coup, bah, ça m'a évité de chercher trop sur Internet, parce que j'ai pas trouvé sur Internet. J'ai absolument pas trouvé, mais je crois que pour se remettre de la vie, il faut du pain. Et je sais pas comment on fait du pain. Enfin, je savais, je vais regarder sur Internet, mais je me rappelle plus. Tremblement de terre, ça y est, là, ça. Ah, merde, on voit plus rien, mais c'est normal. Hein. C'est la catastrophe naturelle qui est en train de péter un câble. Ah ouais, mais là, c'est tout un coup, là, c'est trop stylé. Parce que moi, ça m'énerve dans les vidéos de grands youtubeurs, comme par exemple, je sais pas, des youtubeurs Minecraft. Ils font des mods, pas que celui-là, ils font des mods sur Minecraft, mais ils mettent pas le mode en description, et ça m'énerve. La moindre des choses, c'est de mettre le mode. Ah bah voilà, c'est bon. Par contre, le volcan, là, il se met en éruption. Oh, c'est trop stylé en vérité, regardez la map, l'acide qui tombe. Ah ouais, ça a tout détruit. Ah, vous avez vu devant moi, il y avait un éclair. Heureusement, je l'ai évité. On va essayer du cochon, voir ce qu'il me donne. Je crois qu'il me donne du porc, mais j'aimerais bien manger parce que sinon, je vais mourir. Non mais je crois que c'est pour l'endurance ça, je crois pour la vie, je crois qu'il faut du pain. Un truc comme ça. Je sais plus, faut du blé, je sais plus trop ce qu'il faut. Comme elle aime donne quoi elle. Elle aime donne quoi? Hop. Une plume. Une petite plume. Moi je me suis mis en paisible, hein, comme ça, y a pas de mob qui m'attaque. Mais c'est plutôt bien. Alors dites-moi comment vous trouvez ce mode-là. J'avais déjà demandé à un abonné qui me cherche ce genre de mode-là, mais il n'a pas trouvé, malheureusement. Du coup, pas. Bah, après quelques recherches, longues recherches sur Internet, j'ai payé tout simplement 5 euros. C'est. Pour un mode comme ça, 5 euros, c'est bien. Par contre, c'est la dernière version 1.16 ou 1.19, je ne sais plus combien. C'est la dernière version de Minecraft. Alors on va du LAN, voir ce qu'il me donne. Oh là là, putain, ça a tout détruit carrément. Regardez la lave. Regardez la lave, on va parler de. Merde. J'ai empoisonné. Pourquoi j'étais dans l'acide? Enfin, ça m'a brûlé. Oh là là, la body. Allez, fais tout noir. Moi j'aime bien ces tremblements de terre. Ah normalement il y a des tsunamis. Merde, je vais mourir. Normalement il y a des tsunamis, mais je les ai pas encore vus. Et je crois qu'on a survécu à 11 catastrophes naturelles avec l'acide, les météorites, le volcan, tout ça. Les tornades. Alors dites-moi comment vous trouvez ce mode-là. Je vous mettrai tout en description si vous voulez l'acheter. Sur PC bien sûr. C'est uniquement sur PC. On va essayer de se faire. Ah non, c'est pas du poison. On va essayer de se faire une table de craft. Alors, on va aller là-bas. Et après, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et en espérant que ça vous aura plu. Hein, parce que j'ai vraiment mis longtemps à la sortir cette vidéo. Pour. Bah parce que tout simplement, j'ai galéré à trouver le mode. On va. Crafter du bois. Oh, je sais pas combien il en faut. Ah, c'est bon, j'en ai plus. Là, il y a du bois ici. Ah, là, ça se part en cacahuète, je vous jure. Là, il y a du bois. Hop. On va crafter un peu de bois.
Oh là, ça bug dans mes oreilles. On va crafter un peu de pomme, je crois que j'en ai assez. Alors, on va sortir d'ici. On va appuyer sur E. Ah, j'en ai 6. Non, c'est pas ça pour fabriquer, c'est comme ça. Ah putain, tremblement de terre. Moi, je vais essayer de créer une table de craft, une plot, une pioche, tout ça. Mais il n'y a pas de monstre, du coup, on va pas le faire. Bon, bah voilà. Avec le volcan qui est là-bas, qui est magnifique. Avec l'acide, j'ai survécu à 11 catastrophes naturelles. Bon, c'était un peu facile, hein. Allez, voilà, je suis mort et je me suis fait frapper par la foudre. Voilà, en espérant que cette vidéo de relaxation vous aura plu. Si c'est cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un petit j'aime, ce qui me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est bon, en fait, tout sera dans la description. Les mods, le créateur de cette map, mon Instagram, tout sera en description. Et sur ce, bah, je vous retrouve demain ou dans 2 jours pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit à tous.